Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous continuons Resident Evil 0. Donc là, nous en étions arrivés où nous avions secouru Rebecca. Nous connaissons un peu plus l'histoire de Billy. Et maintenant, nous allons voir ce que ce mal nous réserve. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. Là, je vais laisser ça. On va regarder sur quoi on parle. Hop. Donc ici, je sais qu'il y avait quelque chose à faire. On va y aller, hein. De toute façon, on va aller voir. Mais encore. Non, non, bouge pas. Ici, il y a des mini-gales. J'ai cru qu'on pouvait faire. Heureusement que j'ai pas fait ça. Comme dans Resident Evil, vous voyez par exemple le 4 ou autre, recharger. Heureusement que je l'ai pas fait parce que sinon j'aurais pas été dans la galère tout de même. J'aurais vraiment pas été dans la panade. Pour le coup. Je regarde juste quelque chose. Voilà. Go alone. Roger. Ouais, je vais faire ça. Tac. Cook, on peut peut-être être attaqué, donc j'ai quand même donné des balles à Rebecca. Au moins ça. Comment on dit, hein, de pas faire quelques petites munitions. Ouh. Bon, moi je vois des armes qui sont vraiment là, hein, les mitraillettes, enfin les mitrailleuses, elles sont vraiment là correctement, hein. Faut pas exagérer non plus à dire, non, elles ne sont pas en bon état, hein. Et ton cul, c'est du poulet, t'en veux une aile, j'ai envie de dire. Ah. Alors, on va regarder. On a des grenades. Je peux pas emporter ces trucs. Ah, attendez, j'ai fait un truc plus simple. Je vais laisser tous les munitions, je vais faire des allers-retours peut-être, mais ce sera déjustifié. Donc là, on appuie sur le gauche. Ok, il n'y a rien. Ici c'est pareil. Et je me trompe à chaque fois. C'est à peu près le même son que dans
Dino Crisis 2. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ah, peut-être là. Nice. Oh fuck, fuck, fuck! Oh shit! Faire très très attention à Hunter. Hunter c'est caca. Déverrouillage des portes, donc là c'est bon, c'est cool. This way. Okay. Donc là c'est bon, on peut repartir. Donc là j'ai chopé un peu tout ce qu'il y avait à terre. Les grenades vont mieux. Et les balles de pistolet aussi. Alors par contre ici... Donc on a le droit qu'à 255 dans le slot. Bon, c'est déjà bien, mais tout de même. Bon, on va y aller, hein. C'est bon, j'ai eu peur qu'il y aurait eu un ennemi, mais... Ça va. Non, faut que je reprenne Rebecca. Hop, les balles de pistolet. I'll go check over there. Okay. Okay. Donc ça, ça doit être une énigme. Plus faible.
Moi je dirais ça, après un loup c'est solo. Le cheval après se fait détruire un petit peu. Après je pense que ça pourrait être utile. Un tigre, non, là c'est... Si, c'est un tigre. Le serpent qui empoisonnera, mais celui qui restera le plus en sécurité, c'est l'aigle. Grâce à la hauteur. Moi, je pense que c'est ça. This way. Okay. On va retourner dans une autre pièce précédente. Est-ce que si vous vous en rappelez, on avait une pièce où il y avait deux monstres. Et on les a pas battus. Il n'y a pas de salauds qui se sont relevés. Alors là, pour le coup, pour ma partenaire, je vais la mettre un peu en attaque, qu'on peut se le permettre maintenant un petit peu, pour pouvoir nous échapper tranquillou des zombies. C'est un fucking truc. Voilà, ça vous défonce les missions. Bon, c'est pas grave. Apparemment, il nous resterait que deux balles. Deux balles, c'est pas énorme, hein. It's not good. Alors, je suis en train de regarder parce que ça me paraît bizarre. Maintenant, il va falloir donc utiliser cette clé de glace. Ah, en plus c'est là. Let's split up. Okay. On va se la jouer sécurité. Parce qu'ici, il me semble que j'ai encore du monde à tuer. Permet de faire ça, tranquille. Donc là au moins, ils sont faits, les monstres sont dead. Donc du coup, on n'aura plus qu'à utiliser notre clé, vous voyez. Hop. Voilà. Let's regroup. Okay. Donc là, on va se regrouper et vous voyez, on a besoin de la clé une seule fois, mais il faut la chercher au niveau de Hunter. Comme quoi que ça s'est tordu, hein, quand même.
Merde. J'ai fait le con. J'ai fait le con. J'ai tiré dessus. Donc du coup, j'ai perdu un peu de temps par rapport à ça. C'est vrai que ça peut être sympa. J'espère que je trouverai un point de sauvegarde assez rapidement aussi. Mmh. Et jouer du piano de peu. Je vais tester parce que tu dis c'est peut-être possible. Je ne dirais rien. Mais ça me paraissait bizarre. Donc Rebecca, elle ne peut pas, mais... Et lui, il peut. Ça, c'est bizarre. Non. Ça sent pas très très bon, tout cela. Par contre, des bouteilles vides, oui, je veux bien récupérer à force. Ça pourrait être utile. Par contre, je sais. On approche tout près de même caméra. Alors. Je sais qu'ici, on va devoir encore y revenir, donc. Là, ça va encore. On peut se permettre de les laisser. Donc là, faut que je fasse très attention. On a un monstre qui est juste là. Oh my god. Et là, vous voyez comme Billy a été actif. Bon, le truc que je vais devoir faire, c'est ça. Voilà pourquoi votre partenaire, des fois, faut la mettre en passif. En passif. Ça dépend quel plan on se place, et là c'est pas très très bon d'ailleurs. Là ça commence à vous faire des stress qui montent. Non, je rigole. Il y en a qui va se relever. Là, il n'y a plus personne, pardon. Il y a des balles de fusil à pompe, c'est toujours bon à prendre. Donc là, apparemment, il faudra un levier, déjà. Ok. Donc c'est toujours bon à prendre de... Enfin, de connaître. Come on. Okay. Un petit peu où on doit aller. Là, par contre, c'est vrai que c'est un peu l'aventure.
Intéressant. I'll go. Ok. Beaucoup de bouteilles. Oui. J'ai un amené. Ah oui, c'est normal. Alors, on utilise. Faire encore une association de misère. Donc là par contre on n'a pas trouvé de point de sauvegarde de ce côté-ci, donc c'est assez inquiétant quand même. Donc on sait qu'il nous faudra un levier, il nous faudra quelque chose d'autre. C'est vrai qu'on la batterie aussi. Oula. Je viens de réfléchir comme un fou. Donc du coup... Holy shit. Je vais avoir... deux choses à faire. Donc on va essayer. Ok, on esquive. Deux esquives. Je vais laisser... un son ici. Il faudrait que je reprenne les bouteilles. Avec elle se baladera avec les bouteilles, moi je me baladerai avec Billy tout ce qu'il faut. Oui, aïe aïe. Alors. Voilà. Il faut pas être plus de confort. Et bien voilà. Let's go. Yeah. Donc on reprend Billy. On prend les munitions cette fois-ci. Voilà les amis, on va essayer de trouver donc un point de sauvegarde parce que là ça fait quand même au moins 25 minutes qu'on est en vidéo, donc c'est assez long, hein. On se dit. Ah merde. Je vais regarder par là. Parce que je pense que j'y avais pas été, je ne suis point sûr.
Non, j'y ai pas été. Oh là là! En fait, ici, c'est le bordel. Je ne préfère pas y aller. On ira dans un prochain épisode. Parce que si je me fais tuer là, ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Ou alors, ce que je vais faire, parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a là-dedans, c'est que je vais prendre Billy. Là, c'est vraiment quand même la poisse, parce qu'il y a plein, plein de bonhommes là-dedans. Avec Billy, je serais un peu plus en sécurité, on va dire, c'est... Il est plus résistant. Donc ça va. Par contre, oui, ce serait gentil d'y aller. Parce que là, Mata, elle est juste derrière nous. Et ça, c'est pas cool. Par contre, le début derrière. Ah non. Nickel, très très bien. Très 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 bien. C'est cool, c'est cool. C'est ce que je voulais. Let's regroup. Okay. Un peu n'importe quoi. Je veux pas récupérer le levier. Hein. Voilà, cool. Les balles, on va les réserver. Comme je vous ai dit. Là par contre, ce qui m'inquiète, c'est... Est-ce que du coup, ça fait respawn des nouveaux? Non, pas. Je le souhaite pas. Voilà. Donc on continue, hein. C'est toujours pareil. Non, c'est bon, ça n'a pas fait de spawn d'autres monstres. Alors par contre, ce que je peux faire, c'est prendre ça. Tout de suite m'équiper. Ah ouais, merde. Je te tue alors. Pour l'essence. Parce que vu que j'avais récupéré de l'essence, ce serait cool de pouvoir remplir tout de suite nos bouteilles. Et être tranquille. Je sais même pas combien il y a d'essence. Ah bah. Pas le nombre. Pile poil. Ça c'était des munitions en plus, il me semble. Oui. On va en faire en quelque sorte que ce ne soit pas perdu. Donc c'est pour ça, là c'est. On va refaire correctement nos objectifs, mettre les munitions au maximum, côte à côte, etc. Avant de pouvoir sauvegarder, parce que sinon ce serait embêtant de le faire plus tard. Autant le faire maintenant. Par contre, je vous avoue, je sais plus où j'ai foutu le cocktail Molotov. Il n'y a pas... Celle-ci. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Donc en gros, je crois que j'ai toutes les sortes de grenades. J'ai toutes les sortes de grenades. Ok. Regardez. Non.
Ah si. Vous voyez, j'allais dire une bêtise, mais si, ils sont en roue apparemment. Ils se cachent. Les munitions se cachent. Eh oui. Ils se cachent où ? Oh, fallait le voir. Oh, fallait vraiment le voir. Bon, voilà. Donc ça, normalement, je pense que on va peut-être utiliser des cocktails Molotov dans l'épisode suivant. On verra comment ça se passait. Hein. Je vais regarder. Ok, c'est cool. Donc, on va sauvegarder, les amis. En espérant que l'épisode vous aura plu, on se retrouvera donc pour un prochain épisode dans Resident Evil 0. Je vous dis donc à très bientôt, les amis, et salut à tous!